Impact cannabis sous alcool. Consommation alcool en déclin globalement. Ça veut dire sur planète là, monde boit alcool de moins en moins. Et résultat, c'est que bière, du vin, avec l'autre gros compagnie, bière, du vin, avec l'autre gros client, et ils ont cherché moyen pour yo et ça, y a gamme bagay à offrir consommateurs, y compris boissons à base de marijuana. Compagnie anglaise Diageo, qui produit ça, des spiritueux, qui gagne des marques tant que Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness et Baileys. Mais organiser des discussions là avec au moins trois producteurs de cannabis canadiens concernant un deal possible pour une boisson qui gagne cannabis infusé la donne, d'après un rapport qui était sorti dans BNN Bloomberg TV. Constellation Brands récemment annoncé un investissement de 4 milliards de dollars dans la compagnie cannabis Canopy Growth. Et un bagage qui a augmenté l'intérêt dans la compagnie ça, et augmenté une décision qui a augmenté l'intérêt Constellation Brands dans la compagnie Canopy Growth de 10% à 38%. Additionnellement, gain variété de boissons à base de cannabis qui a cherché moyen pour rendre bière plus attirante. Et compagnie qui fait bière, yo prend note. Et c'est comme ça, yo entré dans partenariat avec toute une série de business et cannabis pour créer des brasses spéciales. Par exemple, compagnie Lagunitas Brewing, qui gagne quartier général dans Californie, lui annoncé que l'a lancé sur marché à la deux produits d'eau oxygéné qui est psychoactif. N'abdou bien, psychoactif, ça dit que il peut servir avec un cannabis qui gagne un niveau de THC plus élevé et c'est un coup gazeuse que la pied. Impact cannabis sous tabac. Peut-être pas que l'autre industrie qui est plus affectée par légalisation de marijuana que l'industrie tabac là. Donc, même gens accompagnés alcool, yo, marque cigarette, yo, marque tabac, yo, à fond gens là pour yo virer et sous et façon pour yo et augmenter intégration cannabis dans produit. Été qui s'est passé à la été 2018 là, Imperial Brands ensemble avec compagnie Casa Verde qui a gagné Snoop Dogg derrière, ensemble ils ont investi 10 millions de dollars dans recherche sur marijuana. Et dans une compagnie qui est Oxford Cannabinoid Technologies. Compagnie de tabac américaine Alliance One International a acheté 80% d'intérêt dans Gold Leaf Farm Inc. Une compagnie là qui planté et grandi marijuana dans le Canada.
naturellement Philip Morris Product SA, yon compagnie, yon annexe de yon compagnie suisse et de cigarettes et de tabac qui est les PMI, compagnie PMI qui fait cigarettes avec l'autre produit tabac qui fait partie de compagnie Phillips Morris, et bien yon même tout li gagne yon patente pour li améliorer système GMO pour planter marijuana. Ah non, ça m'balade. Non seulement il a pas mettre GMO dans cannabis là et puis qu'on a là c'est pour cigarette que la pied. Ça m'ba recommandé. Déjà à faire fumer nous connaît que moi me décourager. OK. N'a pas tourné avec qui Jean cannabis a fait impact sur la loi ensemble avec la mode et les tissus.